Oui, alors nous sommes là ce soir, Slavoj et moi, évidemment à l'occasion de ce considérable livre qui est à bien des égards un livre non pas tant sur Hegel qu'à partir de Hegel, répétant Hegel, mais on explique dans le livre que la répétition c'est précisément toujours la vraie forme dialectique de la négation en réalité. C'est-à-dire, répéter c'est faire autre chose. D'autant que là, c'est une répétition de Hegel organisée à partir de la thèse d'une répétition de Hegel par Lacan et d'une répétition de Lacan par Žižek, si bien que c'est une répétition de répétition. Et donc, au résultat, évidemment, puisque la répétition, c'est toujours différent, le résultat est complètement différent. Mais cette différence est évidemment ce qui rend justice véritablement à Hegel, puisque c'est le traitement dialectique de Hegel. Le dialecticien est traité dialectiquement, et il s'en sort comme il peut. Voilà. Mais plutôt bien, là, je pense. Alors, en réalité, j'ai remarqué dans mon existence philosophique que la question des grandes références dans l'histoire de la philosophie, les grands seigneurs de la philosophie, par exemple, disons, de attention, j'ai toujours une sympathie hypocrite pour les gens, mais il y a encore là. Ah, parfait. Mais tu fais comme si tu étais le responsable général et que si les gens ne pouvaient pas entrer, ils penseraient peut-être que c'est de ta faute. Non, mon association a été plutôt on vit dans une société moderne, communisme est fini. Comme vous avez dit, on doit rejeter les gens. Non, je dis met en dehors tous les gens et on établit un prix, 20 euros. Voilà. Si c'est encore plein, on annule ça et dit 40 euros et on le répète, voilà. Quand on est vers 100... où c'est presque tout est plein. Et c'est le profit optimal. Et les trois derniers n'ont pas pu payer 200 euros. Oui. Sauf quand même, j'ai pas parlé de rejet, mais de dissuasion. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le discours moderne, on ne dit pas maître, patron, chef, on dit coordinateur ou des choses comme ça. C'est le communisme soft. Voilà. Bon, ben on revient au sujet. Dans mon humilité et bienveillance formidable, je te laisse continuer. Je te remercie. Alors, je disais, dans cette question des grandes références, puisqu'il s'agit d'une très grande référence avec Hegel, j'ai toujours pensé qu'il y avait deux espèces de gens. Ceux qui, pour qui les plus grandes références, c'est un peu Platon, Descartes et Hegel. Absolument. C'est la première lignée que je vois. Absolument. Et puis, ceux qui pensent que c'est Aristote, Spinoza et Kant, finalement. Voilà. Ces deux visions de l'histoire de la philosophie tout à fait différentes et on ne s'y inscrit pas de la même manière. Alors, en vérité, on voit bien que la première lignée, Platon, Descartes, Hegel, est en un certain sens très malmenée dans l'époque moderne parce qu'elle est considérée comme incarnant le dogmatisme en réalité, disons en gros. Alors le dogmatisme analytique d'Aristote, de Platon, le dogmatisme scientifique de Descartes et le dogmatisme dialectique de Hegel. Donc c'est la collection des... Alors que après on va monter Aristote contre Platon, parce que Aristote c'est plus modeste, c'est plus encyclopédique, c'est plus tranquille, c'est plus classe moyenne. Et empiriciste. Non. Oui. Après, Spinoza a été monté très souvent contre Hegel, ça c'est un exercice bien connu que tous les althusseriens ont fait, de monter Spinoza comme une machine de guerre contre Hegel. Et puis, évidemment, on monte Kant contre Descartes, c'est très facile, puisque Kant lui-même s'est donné la peine de réfuter minutieusement la plupart des démonstrations de Descartes. Donc, la Hegel Pride, c'est aussi la gloire revenue de la première lignée sur la seconde. Dans la première lignée. Mais voilà. Je pense qu'y compris le maître des lieux appartient très solidement à la première lignée. Voilà. Alors, donc... Alors, en particulier, autour de cette table, il y en a un qui est plutôt Platon et un autre plutôt Hegel. Hein,
Donc, le total, il nous manque un cartésien pur, on le fabriquera s'il n'existe pas. Mais néanmoins, vous voyez, c'est une alliance solide de la référence platonicienne, de la référence hegélienne. En réalité, les deux ont été très malmenés, tout spécialement. Platon, on peut pratiquement dire que la philosophie du XXe siècle a été anti-platonicienne dans son mouvement fondamental. Et toute tendance confondue, c'est ça qui est très remarquable. Alors ça a commencé assez tôt, avec Kant en réalité. Enfin, si on prend le XXe siècle, évidemment, on a Nietzsche inaugure tout ça en disant Platon, l'Europe doit guérir de la maladie Platon, donc il est le médecin de la maladie Platon. La philosophie analytique anglo-saxonne a dénoncé le platonisme comme étant précisément la conception de la science et des mathématiques dont il fallait se débarrasser. Les existentialistes étaient pour l'existence contre l'essence, donc contre l'idée, contre Platon. Et les marxistes traitaient Platon comme un chien crevé, vraiment. Malheureusement, il y a même la formule que Platon, c'est la théorie de maître des esclaves. Absolument, mais c'est dans le dictionnaire de l'Union soviétique à l'époque de Staline. À la rubrique Platon, il y a quelque chose de très court qui est idéologue des propriétaires d'esclaves. Oui. Certains marxistes. Hein? Certains marxistes. Oui, oui, là-bas, évidemment. Une question, une approche stalinienne. Quel est pour vous le marxisme véritable dans l'époque de Staline et après? Je ne connais. Ah, mais voilà. Non, mais le KGB va te trouver là. Ah, non, je crois. Bon, ok, ah, bon, voilà, ok. Mais ça, c'est au-delà de philosophie. Non, mais de l'autre côté, parce qu'il y a un marxiste qui, c'est une histoire très tragique, qui s'est suicidé. Ewald Ilienkov, qui n'a pas été un crétin, et il a été sincèrement un marxiste, et c'est très tragique, et ça démontre ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a deux grands philosophes sérieux reconnus, un anti-marxiste, mais il s'est masqué comme historien de philosophie. Il a été en vérité un obscurantiste mystique. Il a écrit des livres sur la mystique médiévale, philosophie, et avec quelques citations de Brejnev au début. Mais aucun problème. Et il un grand mystique, Brejnev. Oui, oui. L'homme de la stagnation. Oui. Et de l'autre côté, Ilienkov, qui a été un marxiste sincère, il s'est suicidé. C'est très tragique. Le seul. On peut trouver, si vous pouvez lire un peu anglais, dans cette website marxiste, maoïste, marxiste.org. Oui. On trouve là. Il paraît qu'ils sont plutôt trotskistes, en fait. Quoi? Il paraît qu'ils sont plutôt trotskistes. Oui, je sais. Tu es l'ami d'Alain, ça veut dire. On va le voir à Goulag. Mais l'histoire que vous venez de l'anecdote, moi, me semble particulièrement d'actualité parce que c'est. C'est Hegel qui nous explique très bien cette contradiction-là de l'orthodoxe qui va se suicider. Oui. Et de l'autre côté, si je peux seulement ajouter une petite chose, en ce qui concerne des trotskistes, avec toutes les sympathies, oui, Trotsky, critique de Staline... Ouais, ne prends pas de précautions. Oui. Mais j'ai rencontré à New York Public Library un débat, un type qui est plutôt un libéral de droite, mais très bon historien, Stephen Kotkin, qui a écrit un livre sur Staline, et je lui ai demandé, prenons cet accident, par exemple, dans l'année 25, il y a un petit accident de voiture, peut-être organisé par Trotsky, Staline est mort, qui sera l'autre? Il a dit absolument pas Trotsky, il a été trop arrogant, il n'avait pas vraiment la capacité d'organiser, et même pas Bukharin, trop confus. Son idéal a été Rykov, qui était le président du gouvernement, le seul homme capable de prendre des choses, mais on se perd. Voilà. Surtout que là, vous allez avoir droit à des commentaires. On va surtout quitter ce sujet-là, parce que là, les polémiques, comme vous le savez, dans le milieu marxiste autour mais quand même, de la succession là, quelque chose de Lénine. Pas, oui, mais quelque chose se passe là dans la dernière dizaine d'années, ou bien un plus, où il y a toute une série d'historiens, comme c'est quand même Getty Naumov, qui est beaucoup plus sérieux. C'est plus ce simplicisme romantique, comme il s'appelle, c'est
Robert Conquest, Montefiore, c'est pas ça. C'est le travail beaucoup plus sérieux. Ok. Notre bienvenue. Tu me convoques de revenir au travail sérieux. Oui. Alors, un point dans toute cette affaire des deux lignées de référence philosophique, c'est que, particulièrement dans la philosophie française des années 60-70, on a commencé, pour reprendre une formule de Marx, à traiter Hegel comme un chien crevé. Vraiment, oui. Une formule de Marx. Parce que si on prend Deleuze, il affirme purement et simplement que faire de la philosophie, c'est d'abord faire comme si Hegel n'avait pas existé, ce que tu cites d'ailleurs, ce que tu rappelles. Si on prend Althusser, c'est un effort considérable pour montrer que Marx ne doit rien à Hegel, l'idée de la coupure épistémologique radicale entre Hegel et Marx. C'est donné du mal. Et, ça, qu'il ait du mal, c'est autre chose. Vient le coup d'État. Et il y avait un type qui était ton ex-ami, comment il s'appelle, c'est Kassem, qui est redevenu l'ami de Bernard-André Lévy. Qui, maintenant, on ne prononce pas les... Non, je te dis pourquoi. Parce qu'il a écrit que ton... Déjà interdit de présence en Russie. Ok, mais il a écrit que ton apport, toi, Alain, le plus important, c'est de faire la philosophie comme si Kant et Hegel n'existent pas. Oui, ben ça, c'était... je peux prouver que ce n'est pas vrai. Non, d'accord, totalement d'accord. En tout cas, Deleuze, Althusser, Foucault et les autres représentent un groupe philosophique... dominants dans la philosophie française, qui sont des anti-hegeliens constitués, et qui disent sur Hegel des choses tout à fait négatives. Et il faut reconnaître que, et c'est une partie sous-jacente historiquement au livre de Slavoj, que sur ce point, Lacan fait une exception. Lacan est une exception. Lacan a travaillé dès le départ, à partir et à propos de Hegel. Et jusqu'à la fin aussi. Et jusqu'à la fin. Par exemple, dans le séminaire 18 sur, pas les quatre concepts, mais sur les quatre discours, oui, l'envers de la psychologie, la référence l'envers à Hegel de la est absolument fondamentale. Absolument. Hein. Voilà. Et donc, nous sommes là en train de célébrer, quand même, dans ce contexte-là, quelque chose qui est comme un contre-courant. Spécialement pour la philosophie française, parce que le destin de Hegel dans le monde anglo-saxon, c'est une toute autre histoire. Il y a un Hegel libéral. Ils ont fabriqué un Hegel libéral et réactionnaire. Bon. Mais ils ont aussi fabriqué un Foucault pareil. C'est une vengeance de Hegel. Oui, mais Foucault s'est lui-même quand même offert à cette lecture. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais alors s'il se retrouve dans le même sac que Hegel, quand même, c'est ça a quand même une punition. À leurs yeux. À leurs yeux. Pour lui aussi, c'est vrai, sans doute. Sans doute pour lui aussi, il le verrait aujourd'hui comme une punition, oui. Mais à leurs yeux, c'en était une aussi. Bref, pardonnez-moi. Non, parce que tu sais, nos ennemis, les nouveaux philosophes, Bernard-André Lévy, il dit toujours, il essaie d'opposer le mauvais Deleuze, pro-palestinien, terroriste, contre le bon Foucault, qui a vu les droits de l'homme à la fin. Mais ça, c'est vrai, c'est un exercice convenu. Mais il y a aussi un mauvais Deleuze. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Si on prend comme critère Hegel, ils sont dans le même camp. Alors, donc il y a l'exception de Lacan, et je vais y venir tout à l'heure très rapidement concernant Slavoj, il y a cette espèce d'exception sur l'exception que va constituer la reconstruction de l'intelligibilité de la dialectique par Slavoj. Moi, j'ai un rapport ambigu à Hegel. Donc, tu peux, évidemment, c'est une alliance, un rapport ambigu à Hegel. Parce que, d'un côté, c'est tout à fait fondamental, et je le mentionne, et je le commente dans tout ce que j'écris, en réalité, un long commentaire prolongé de Hegel. D'un autre côté, je pense que ce que j'en retiens fondamentalement est quand même très proche de ce que tu en retiens au bout du compte. C'est-à-dire, c'est l'idée d'un décalage ontologique essentiel, qui est, dans ma formulation à moi, le décalage entre l'être en tant qu'être et l'être placé. C'est-à-dire entre l'être et le lieu de l'être. C'est-à-dire, en définitive, entre l'être et l'existence. Un décalage entre l'être et l'existence, c'est-à-dire que exister, c'est soutenu par le fait d'être, c'est-à-dire d'être une multiplicité, mais exister, ce n'est pas réductible à être cette multiplicité,
parce que c'est toujours placé dans un système mondain, et donc il y a une différence entre, dans le vocabulaire alors hegelien directement, il y a un écart dialectique entre l'être et l'être-là. L'être-là, c'est Dasein, c'est Dasein, oui, oui, entre Sein et Dasein, et c'est un peu comme une différence nulle en même temps. Oui, vous avez... C'est toujours mon rêve que c'est Hegel qui appelle. Non, c'est totalement... Voilà, et c'est Hegel disant, bah, donnez tout de suite la parole à Gigé. Voilà, donc je reprends, c'est cette différence presque nulle entre l'être et l'être-là, puisque tout être est être-là, on ne peut pas distinguer le là ou l'isoler comme tel de l'être, ça c'est ressemble. Crucial. Ça c'est crucial, c'est que tu as dit, parce que Hegel même, lui, parle, c'est intéressant, je m'excuse d'interrompre te soutenir, toujours, il dit l'être et le néant, il dit... toujours que c'est le passé, il ne dit pas l'être néant passe dans être là. Il dit ils ont toujours déjà passé. Exactement. C'est toujours rétroactif. Il n'y a à aucun moment un être pur qui doit passer. Oui. Non. Et ça, je l'avais relevé. Et ça, c'est ce que je trouve très fort dans tout le début de la logique de Hegel, qui est, que je trouve extrêmement foudroyant philosophiquement, quelque chose d'essentiel. Après tout, le moins que rien, qui est le titre là, c'est un peu la différence entre être et être là, puisque elle est quelque chose, mais en même temps, ce quelque chose n'est pas non plus quelque chose, enfin, puisque l'écart entre être et être là, c'est justement ce qu'il y a d'une certaine manière. Donc, en fait, c'est ce qu'il y a, c'est irrésoluble autrement. C'est-à-dire, en tant que c'est ce qu'il y a, l'écart entre être et être là, ça n'est ni le non-être. Effectivement, mais ni l'être pur, et donc c'est le réel, à vrai dire. Ce qui prouve que le réel, c'est une césure, le réel, c'est une faille, et donc le réel, c'est la négativité. Chose que... Alors, évidemment, ça, c'est une polémique très tendue contre la primitive distinction kantienne entre la chose en soi et le phénomène. Parce que être et être là, il ne faut absolument pas le résoudre ou le réduire à être en soi et phénomène de l'être en soi. Et je pense que c'est la mutation fondamentale que Hegel fait subir à la proposition la plus fondamentale de Kant, à savoir qu'il faut partir du fait que finalement il y a toujours l'être en soi inaccessible en un certain sens et la construction phénoménale qui vient du sujet transcendantal. Non, chez Hegel il y a l'être et l'être là, et ça je reprends absolument cette vision des choses, et par conséquent c'est une, pour reprendre le vocabulaire de Quentin Beyassou, c'est une exclusion originaire du corrélationnisme chez Hegel. C'est un point essentiel, ça. Bon. Donc, dans cette ambiance hegelienne, évidemment, Žižek intervient comme celui qui va reformuler de façon synthétique et déployer la dialectique dans cet élément-là, finalement, dans l'élément de la faille, de la rupture. Et finalement, il va montrer, développer complètement que l'écart, le négatif, soit le presque rien, et c'est ça qui origine en réalité le vrai et son placement, qui origine la possibilité même de la vérité et de son placement dans la figure du reste. C'est-à-dire que l'être lui-même, c'est-à-dire l'être vrai, en un sens se livre à un excès qui le sépare de lui-même, et que le point presque nul, le point en trop, qui fait que un être existe en réalité. Il y a des développements très très intéressants en psychanalytique chez toi de ce point de vue, qui est que finalement sur le fantasme, c'est très 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 parlant quand tu expliques que le fantasme c'est en réalité ce qui comble l'écart toujours, c'est-à-dire c'est ce qui se présente comme une scène dans laquelle l'écart est comblé. C'est-à-dire, c'est comme si l'écart se présentait lui-même comme un être-là, un pas vide, si je puis dire, et scellé, et toute fantasmatique,
Donc, en vérité, peut-être toute idéologie, si on reprend ce mot en le nourrissant un peu de psychanalyse, toute idéologie est toujours le comblement de l'écart originaire entre l'être et l'excès sur l'être qui seul rend possible qu'il y ait une vérité de l'être, et comblement qui, d'une certaine façon, en effet, interdit toute vérité, en réalité, forclos toute vérité, parce que il se propose de combler l'écart, c'est-à-dire d'annuler le point d'impossibilité, précisément, de noyer l'écart dans un possible fallacieux. Tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Et enfin, je terminerai avant de te poser une question. Pour toi, il me semble que Hegel... il y a deux Hegel. Tu divises Hegel, et en ce sens, ton hegelianisme est aussi un hegelianisme polémique contre une figure reçue ou... Quelle est la figure reçue de Hegel, au fond? La figure reçue de Hegel, c'est que Hegel, c'est un théoricien, c'est la théorie de l'exhaustion, du parcours exhaustif des figures possibles du sujet et de l'histoire. C'est-à-dire que le sujet et l'histoire traversent des figures, les figures de la conscience ou les figures du temps historique, et que Hegel s'est fait théorie d'une sorte d'exhaustion, d'achèvement de ces figures, de traversée et d'achèvement de ces figures. Donc on va dire que Hegel, c'est aussi la fin de l'histoire, des choses comme ça, ou que Hegel, c'est la montée de la conscience jusqu'à ce qu'elle soit, en quelque manière, immergée ou noyée dans l'absolu. Et donc, en réalité, la catégorie fondamentale qui est à l'œuvre dans cette interprétation de Hegel, c'est la catégorie du possible, en tant que Hegel, c'est l'exhaustion rétroactive de l'ensemble des possibles dont, à travers lesquels l'absolu s'est effectué. Et donc, la logique dialectique, c'est une logique de la possibilité. Et alors, parce que c'est ce système des possibles qui soutient, en fin de compte, l'absolu tel qu'il va advenir à la fin des fins, lorsqu'on sera justement dans l'exhaustion de ces possibilités. Alors, ma question prendra deux formes, c'est-à-dire, le premier, c'est, est-ce que tu ne soutiens pas en réalité que la dialectique hegelienne fait de Hegel un théoricien de l'impossible, en réalité, et non pas un théoricien de l'exhaustion des possibles, c'est la première forme de question. Et la deuxième, qui est une forme plus immédiate, c'est que tu as repris ma distinction entre philosophie et anti-philosophie, tu la commentes, alors, bon, ça faisait des couples, finalement, dès l'origine, Héraclite comme l'anti-philosophe de Parménide, finalement, après, Pascal comme l'anti-philosophe de Descartes, Kierkegaard comme l'anti-philosophe de Hegel, etc. Et toi, tu proposes de dire que Hegel est le seul qui soit son propre anti-philosophe. Oui. Voilà. Alors, c'est un peu la même question sous deux formes, parce que être en même temps son propre anti-philosophe, c'est tout de même justement le moment où le possible est où le possible et l'impossible se fusionnent. Enfin, c'est une possibilité de l'impossible. Voilà. Donc ma question pour te faire démarrer pour tout le temps, c'est est-ce que tu accepterais la définition de Hegel comme fondant pour la première fois dans l'histoire la dialectique, non pas comme exhaustion diachronique des possibles du sujet et de l'histoire, mais comme repérage, au contraire, du point d'impossible comme tel, à partir naturellement d'une analyse générale des conditions de sa surrection et de son écart. Voilà. C'est une question formidable, je veux parler vite pour que je n'oublie pas tous les points, parce que premièrement, cette catégorie, et je développe dans mes prochains livres qui ne sont pas encore traduits en français, cette catégorie du point de l'impossible, et tout donne aussi une connotation dans quelques de tes écrits politiques, là. C'est une catégorie absolument cruciale, je crois. Même aujourd'hui, et il y a une chose qui est... Je te pose immédiatement la question si tu serais d'accord, là, qui est absolument cruciale. Le point d'impossible d'un système politico-économique social,
c'est pas nécessairement un grand point radical. Je crois que toute la stratégie intelligente politique, c'est de voir parfois, et c'est ça ce qui m'intéresse, il y a des choses, des mesures politiques, des propos, des changements, qui peuvent apparaître comme tout à fait modestes. On dit oui, on peut le faire, on ne va pas le faire, mais, on peut le... mais en vérité, c'est impossible. Donc c'est ça ce qui... Par exemple, c'est dans chaque pays une autre chose. C'est la raison pourquoi, pour éviter le malentendu, je n'ai aucune illusion sur Barack Obama. Mais sur un point, il a fait une bonne chose. Simplement d'ouvrir le débat sur le, comment on dit, le healthcare, la sécurité sociale. Sociale univers. Aux États-Unis, là, dans cette situation, c'est un point impossible. Ça disturbe totalement l'énergie. Vous savez quelle connerie a été le résultat. Il a été même condamné à la comment on dit, Cour de justice suprême comme danger, etc. Et maintenant, et j'aime ça, ce point irrationnel. Vous savez que de plus en plus, il y a une conviction parmi les républicains que Obama, c'est un musulman qui veut ruiner les... Et pourquoi j'aime ça? Parce que c'est une petite mesure. On peut dire que c'est tout à fait innocent. Il y a beaucoup de pays capitalistes qui ont ça. Aux États-Unis, c'est un point extrêmement traumatique, impossible. Et j'ai essayé même dans un de mes autres livres de développer pourquoi c'est ça, précisément la leçon hegelienne. Que les États-Unis, ce qu'on le sait au moins un tout petit peu en Europe, les conservateurs et les marxistes, tous les deux savent quelque chose qui est correct. Que la liberté personnelle, c'est une très belle chose, pourquoi pas. Mais pour avoir une liberté actuelle, c'est un réseau extrêmement complexe des relations sociales, des règles, des habitudes qui doit être là. Les Américains, ils ne savent pas ça. Et j'ai même essayé à isoler ça avec un détail que j'aime beaucoup de la vie quotidienne. Vous savez, toi tu le sais, mais si vous avez visité les États-Unis, là, on fait une chose assez folle. Dans tous les hôtels, et même dans les autres bâtiments, je ne sais pas, où il y a plus de 14 étages, le 13, comme on dit, n'existe pas. C'est 12 et 14. Je trouve là très problématique ça, parce que... Les Américains disent c'est sur le dollar, non, we trust in God. Oui. Mais Dieu le sait très bien qu'on... C'est-à-dire, c'est de nouveau, on pense qu'on peut tricher la substance, disons comme ça. Et c'est la même chose avec, c'est un autre exemple, vous savez qu'ici, ça, c'est pas le premier étage, comment on dit ici? Rez-de-chaussée. Mais aux États-Unis, comme vous le savez, on commence avec le premier étage. Et voilà, les crétins, ils ne savent pas qu'on doit commencer par le fondement, zéro, non? Ils pensent que c'est une tout à fait erronée, théorie des nombres erronée, non? Comme si on peut... Non, mais je crois vraiment que ça, quand même, indiquait quelque chose de très précis. Que les Américains ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, disons, ce que Hegel a nommé Sitten, le mœur, la substance éthique sociale, comme le fondement absolu même des vérités personnelles. Mais je veux. Donc, c'est ça. Est-ce que tu ne penses pas que parfois, quand il y a des situations comme aujourd'hui, que au moins immédiatement, on ne peut pas organiser un grand acte révolutionnaire, on doit faire comme ça? Isoler des petits buts qui apparaissent tout à fait acceptables. Mais qui sont impossibles. Mais qui sont en vérité impossibles. Oui. L'accord est complet. L'accord. Oui, mais c'est même des choses que nous détestons. Le droit au multiculturalisme, chez nous c'est une phrase. Mais dans un pays comme Turquie, si on insiste vraiment sur le multiculturalisme, ça veut dire des Arméniens, qui sont les Kurdes, etc. Donc, dans chaque situation concrète, il y a des différences. Et c'est là une chance pour la politique, même dans une période triste qui est la nôtre. L'autre chose que tu as dit, malheureusement, on n'a pas de temps de parler sur ça. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur ces philosophes, antiphilosophes, etc. Et je dois dire, premièrement,
Ce livre est un peu raccourci, comme vous avez vu, c'est un petit livre, c'est rien, par rapport à l'original anglais. Il lui manque 400 pages. Oui, oui. Bah, il en fait quand même 960. Non, mais c'est un autre... comment s'appelle ce type qui a écrit un livre sur toi aussi, sûrement notre ami Tardy. Oui, il a essayé d'établir une petite maison d'édition, je ne crois pas si ça vient. Mais là, j'ai publié les autres trois chapitres que j'ai, comme tu le dis, soustrait, c'est la soustraction de ça, précisément sur Platon, Fichte et sur Heidegger. Et c'est là que je développe aussi ces points. Quel point? Que pour moi, le premier qui a conceptualisé ce « moins que rien », c'est bien, j'accepte ici la lecture de ton ami ennemi, ce n'est que sur ce point précis que je suis d'accord avec elle, de Barbara Cassin. Oui, oui. Vous savez que le terme de chez Démocrite pour atome, c'est un terme paradoxal, c'est « den ». Et c'est un néologisme très paradoxal en Grèce qui, la seule façon consistante à le traduire, c'est que c'est moins que rien. C'est-à-dire que la thèse, c'est ça le grand problème de l'interprétation de Démocrite, et Hegel l'a vu déjà. La perception commune de Démocrite, c'est une vulgarité aristotélienne, comme s'il y a un grand vide, l'espace, et là, comme des petites balles, il y a les atomes. Non, mais pour Démocrite, le rien, c'est le centre lui-même de l'atome. C'est pas en dehors. Et c'est pourquoi il le dit. Les autres interprètes, pas seulement Barthes, disent que le rien, c'est une catégorie soustractive du den. C'est littéralement den et moins que rien. On doit soustraire quelque chose de l'atome, même pour obtenir rien. Et ici, bien que je déteste cet mysticisme, Kabbalah, etc., mais je veux dire que ça me paraît la seule théologie intelligente, une certaine ligne dans le judaïsme de Kabbalah qui dit que avant de créer le monde, Dieu a été obligé de créer le rien. Qu'il y a quelque chose moins que rien, que le premier acte, c'est vider. D'abord rien. D'abord rien, et après rien ouvre l'espace, non? Mais ça, c'est un autre topic. Je veux aller plus loin maintenant ce que tu as dit sur Spinoza, une petite remarque, peut-être amusant. Bien que, bien sûr, politiquement et d'autres, il n'est pas exactement notre ami, non, Jean-Claude Milner, mais quand même, tu as fait un livre, mais ce n'est pas un crétin, comme on le dit. C'est quelqu'un avec lequel on doit quand même discuter, à la différence des autres. Par exemple, des types qui s'appellent philosophes et qui ont déclenché le chaos total en Libye, non? Par exemple. Non? Je veux dire que Milner a quand même écrit un petit bouquin, peut-être vous le connaissez, je dois dire, je le trouve passionnant. Le sage trompeur, c'est contre Spinoza. Non, c'est que j'aime parce que Spinoza, c'est une telle figure sainte, totalement... On ne peut pas le toucher, non? C'est une chose sympathique, pourquoi pas, non, pour le dire comme ça. Maintenant, on y va, je veux dire que, comme toi as mentionné Lacan, non? Ce qui m'a toujours fasciné, dès il y a déjà 30 ans, quand j'étais encore dans le séminaire de Jacqueline Miller, et c'est ça qui m'a poussé aussi vers Hegel, chez Jacqueline, cette tendance totalement spontanée, anti-hegelienne, même d'une façon très bête, brutale, non? Le patou lacanien, c'est-à-dire que le tout dialectique n'est pas possible, etc. Mais une fois, il n'a pas voulu même me répondre, je lui ai posé cette question. Dans le séminaire 18, l'envers, qui est aussi, comme vous le savez, peut-être le séminaire sur les quatre discours, non? Lacan offre dans une trentaine de pages trois identifications par rapport au discours de Hegel tout à fait différents. Premièrement, il dit que Hegel c'est le discours du maître.
dix pages après, il dit Hegel, c'est le premier modèle absolu du discours universitaire, le savoir universitaire. Et 20 pages après, il dit Hegel, c'est le plus sublime des hystériques, le titre de mon premier. Et je crois, quelle est la vérité? La vérité, c'est que Lacan dit quelque part autre, il dit que la position de l'analyste, le discours de l'analyste n'est pas simplement un autre discours, mais c'est quelque chose qui apparaît dans le passage d'un à l'autre discours. Donc, c'est lui-même qui a dit Hegel entre les trois, c'est-à-dire Hegel analyste, etc. Mais maintenant, des choses un peu plus sérieuses. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu as souligné la position crucial de trois grands philosophes. Et là, c'est un des points où je suis quand même d'accord avec Foucault. Il a dit déjà que Platon, que toute la philosophie peut être définie comme une série de réfutations de Platon. Non? Et c'est vrai, comme tu l'as dit, même dans notre siècle. Non? Il y a même des autres versions, à part de celles que tu... Par exemple, toute la philosophie de la vie, Lebensphilosophie, c'est contre le platonisme abstrait, affirmer la vie concrète, libéralisme, Popper, on le sait, Platon le premier totalitaire, contre le bon Aristote, mais comme tout le monde le sait, attention, chez Aristote, il y a quand même deux choses. Premièrement, Aristote est même, j'espère que tu es d'accord, un tout petit peu même une régression par rapport au platonisme. Pourquoi? Parce qu'il fait une chose que Platon ne fait pas. Il sexualise l'économie. C'est Morphée versus Hylé, c'est masculin versus le féminin. Donc il y a cette qui a des conséquences concrètes. Aristote n'est pas un pour l'égalité homme-femme. Pour lui, l'homme est privilégié. Tandis que si on lit attentivement Platon dans la République, il dit très clairement qu'en principe, tous les postes doivent être à la disposition aussi des femmes. Une autre chose, pour Aristote aussi, l'esclavage, c'est naturel. Ah, dans la République de Platon, on n'a pas besoin des esclaves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est beaucoup... Mais je veux dire ça que... Et toi, j'espère que tu serais d'accord, qu'on peut vraiment répéter la même logique que tu as démontré à travers Platon. Tout ce qui est, c'est une espèce de réaction contre Platon. Mais la même chose vaut aussi pour Descartes. Toute la philosophie moderne, il y a bien un anti-Descartes habermasien, même aujourd'hui intersubjectif. Descartes, cogito, c'est solipsisme, c'est le cercle social de reconnaissance. Il y a l'anti-cartésianisme de la philosophie de vie, non, c'est pas le cogito abstrait, c'est la vie concrète des individus, blablabla. Donc il y a même l'écologie obscurantiste de nouvel âge. On dit, par exemple, le ex-vice-président américain Al Gore, il prétend d'être un écologiste plus approfondi, ce qui veut dire l'horreur, non? Et il a dit que l'origine de tout mal est Descartes. Parce que Descartes oppose les deux substances, notre raison objectivise, exploite. Que Descartes, c'est la fondation philosophique, disons, de l'exploitation capitaliste. D'ailleurs, Descartes dit expressément que l'homme est maître et possesseur de la nature. Comme. Oui, mais le problème, c'est que la Bible le dit déjà, non? Comme. Mais surtout, Descartes, juste une petite incise, avait insisté pour écrire la méthode en français pour que même les femmes puissent le lire. Ah non, vous savez, je le cite ici ou dans mon autre livre, vous savez qu'il y avait déjà, immédiatement après la mort de Descartes, le premier cartésienne féministe. Un théologien français, j'ai oublié le nom, qui répond, la formule, c'est précisément le cogito n'a pas de sexe. Et c'est pourquoi je dis toujours aux féministes que
même à mon ami personnel, ennemi théorique, le grand post-féminin, Judith Butler, non, que ce qu'elle fait n'est pas pensable même en dehors de l'espace cartésien, qui annule à ce niveau la différence. Parce que quand les féministes disent que la modernité est masculine, et au moins, c'est ça, la ligne de Dan Brown, de cette horrible histoire, où on dit on doit réaffirmer aussi les principes féminins, non? Et le résultat que c'est Jésus a été marié, toutes ces conneries. Non, mais là, c'est, on revient simplement à ce dualisme pré-moderne. L'univers, l'origine de l'univers, c'est une copulation, le grand acte sexuel entre le ciel et la terre, yin-yang, etc. Et je crois que ça, précisément, ce qu'on ne doit pas faire. Tous les féministes intelligents le savent que quand on a une ontologie d'une déesse, d'un principe féminin, les femmes véritables, empiriques, sont exploitées plus que jamais. J'ai lu une très belle histoire de Nouvelle-Guinée, où il y a une société tribale primitive, totalement une déesse, le grand chef, c'est une déesse maternelle, et c'est vrai, il y a un village là où il y a des petits maison individuelle, et au centre il y a un temple qui même a la forme, une imitation primitive de vagine, non? Ok, c'est formidable. Ah, il y a un petit problème, les femmes sont interdites à entrer cette grande vagine, bien sûr. Donc je crois qu'on doit complètement rejeter cette idée que la modernité est masculine, et qu'on... non, je crois que j'ai essayé même à montré dans un autre livre de moi, comment on a traduit, Séjourner près du négatif chez Flammarion, que dans le terme lacanien du patou, que cogito c'est plutôt féminin que masculin, mais ça c'est une autre chose. Donc, Descartes n'en était pas éloigné. Oui, parce oui, que, oui. Non, mais il prend position lui-même, avant même le théologien dont il parle, j'ai moi-même oublié le nom. Oui. Mais il dit qu'il préfère de beaucoup discuter positivement, discuter vraiment ses idées avec des femmes d'esprit qu'avec les messieurs de la Sorbonne. Ça, il le dit, dit objectivement. Donc en fait, le féminisme cartésien est tout à fait réel. Et si on lit d'ailleurs une bonne partie de sa correspondance, c'est une correspondance avec des femmes. Oui, et oui, oui. Il se montre... Et ce n'est pas seulement la reine Christina. Non, pas non. Du tout, pas du tout. Il se montre tout à fait égalitaire. Et oui. Il n'est pas du tout dans la... Il est beaucoup plus dans la figure du maître agressif quand il s'agit évidemment de Gassendi. Ah oui. Oui. Non, mais même il est beaucoup mieux que, disons, que Spinoza. Ah ben bien sûr. Oh bon. Chez Spinoza, c'est quand il dit, le droit c'est le pouvoir, j'ai le droit à ce que je peux, il donne immédiatement comme exemple, à la fin du traité théologico-politique, il donne précisément l'exemple des femmes. Les femmes ont moins de droits parce qu'elles ont moins de pouvoir, parce qu'elles sont... Okay. Mais Kant, c'est pas terrible non plus. Hein. Qui Kant? Là, j'ai une autre théorie que je ne peux pas développer. Je l'ai dans un autre livre que Kant a fait une grande erreur, même dans ses propres termes. La seule théorie de la différence sexuelle qu'il propose, c'est dans son écrit de jeunesse sur le beau et le sublime, où il dit, pour le dire d'une façon vulgaire, où il écrit que le masculin vers le féminin, c'est le sublime versus le beau. Les femmes sont belles, les hommes sont sublimes. Mais je crois qu'on va faire une autre chose que mon ami, aussi tienne, une théoricienne du cinéma, lacanienne américaine, Joan Kubczyk. Elle a écrit un texte formidable sur Kant. Vous savez, chez Kant, vous avez deux types d'antinomies, des antinomies mathématiques et des antinomies dynamiques. Et sa thèse, c'est que c'est déjà là la différence sexuelle. C'est-à-dire que féminins sont les antinomies mathématiques, les antinomies de quantité, et masculins des antinomies dynamiques, de l'intensité, de force. Bon, je ne peux pas développer ça maintenant, mais c'est une très belle argumentation.
c'est une très belle argumentation. Donc, on là. Sauve Kant, donc, sur quoi? Ce plan. On sauve Kant provisoirement, donc, sur ce sujet du féminisme. Mais là, je voulais simplement rappeler qu'il définit le mariage comme le fait qu'on devient propriétaire des organes sexuels de l'autre. Non, ça, c'est un paradis. Et là, c'est même mieux que tout ne le pense. Il dit ça dans la métaphysique d'Erzit. Oui, oui. Pas l'introduction, mais ce texte un peu légaliste et nouillant. Et il développe là, oui, c'est cette définition que c'est même plus beau que le mariage, c'est un contrat de deux adultes sur l'usage mutuel des organes sexuels pour la raison du plaisir. Et quand ce mot, quand on dit non, c'est les enfants, il dit mais quels enfants, c'est le plaisir. Mais maintenant vient le génie de Kant. On pense où c'est une petite provocation. Non, non. On va lire une page plus tard. Il pose la question, disons que je aime d'être vulgaire, disons qu'on est marié et je m'enfuis. Est-ce que tu as raison à appeler la police de me retourner à toi? La réponse quand c'est oui. Pourquoi? Pas de, parce que selon le contrat, tu es le copropriétaire d'un de mes organes. Je me suis, c'est un acte de voler. Je suis parti avec quelque chose qui est ta propriété. Donc c'est pas parce que le lien spirituel est entre nous. Non, c'est un cas. C'est ce que je dis, c'est tout ramené à des questions de propriété et de vol. Oui, absolument. Le oui. mari qui s'enfuit, il a volé les testicules à la femme. Oui, oui. Et une autre chose très intéressante, comme tu le sais, c'est ça la dialectique. Trouver des exceptions, non? Par exemple, Alain, tu as cet fils formidable adopté noir, non? Et une fois, il m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est la philosophie de mon père? Et je lui ai expliqué d'une façon très belle. Non? Je lui ai dit qu'il y a universalité, non? Tout est le corps, le langage, avec des exceptions, non? Et je lui ai expliqué. Universellement, c'est quel est ce geste anti-vol, contre la violence raciste, c'est touche pas à mon pote, non? Oui. Ça, c'est une règle générale. Mais comme tu le dirais, il y a une exception. Si quelques belles femmes nues veut te toucher, peut-être c'est l'exception, non? Là, si elle est le pote qui veut me toucher, peut-être c'est l'exception. Ça a, dû lui plaire. Toi. Oui, oui, j'espère. Non, mais très sérieusement, les exceptions, c'est très sérieux. Parce que quand, vous savez, il a cette attitude folle, on doit toujours dire la vérité. Vous connaissez ce petit texte où il amène ça jusqu'à la folie. C'est un ami que je sais qu'il est innocent dans ma maison. Et les bandits viennent, est-ce qu'il est là? Même si ça peut sauver mon ami, je ne dois pas dire le mensonge là. Mais quand même, Kant pose des trois exceptions. L'une, c'est normal. L'obsession de considération, de bonne manière, par exemple. Maintenant, c'est moi, de nouveau, mon méchanceté. Disons que tu es en train de mourir, blabla, non? Cancer. Et je te vois, et bien sûr, je ne vais pas te dire, est-ce que... Non, de te dire ce que mon fils m'a dit, je l'aime, quand je lui ai dit que j'ai quelques problèmes cardiaques, peut-être je vais mourir, et mon fils m'avoue, juste après, lire un grand livre comme ça. Il m'a dit, père, c'est pas bon... Parce que dans ton état de santé, c'est mieux de lire des petits livres pour avoir une chance de les finir, non? Donc, selon Kant, je ne dois pas te dire ça, mais comme, oh, c'est formidable, c'est mieux. C'est-à-dire, c'est, comment le dire, mensonge blanc qui est considération humaine. Là, c'est clair, pourquoi pas. Il y a une autre, c'est très intéressant, exception, sexualité. Kant dit que, oui, tout l'être rationnel a le droit de savoir sur le sexe, mais les petits enfants ne sont pas encore des êtres purement rationnels, et s'ils le savent trop tôt, la sexualité, ça peut les déranger et les prévenir, donc on doit le faire, oui, on doit leur dire des mensonges, s'ils posent d'où viennent les enfants. Et de nouveau, dans le même livre, Métaphysique de Meur, le troisième, c'est très intéressant, le troisième exemple, l'origine du pouvoir. Kant l'accepte totalement comme un conservateur résigné que l'origine du pouvoir c'est toujours le crime, illégal, et il dit c'est pourquoi
on ne doit pas poser la question des origines du pouvoir, non? C'est donc, une autre chose. Ce que tu as dit, Hegel, aujourd'hui. Oui, mais tu avais raison. Quel Hegel? Parce que je crois que dans les dernières 20-30 ans, quelque chose a commencé, pas tellement en France, plutôt en Allemagne et aux États-Unis. Jusqu'à il y a 30 ans, on a des Hegeliens réactionnaires, disons conservateurs. Ça a commencé déjà fin du 19e siècle avec toutes ces Hegeliens. Il y en a encore. Oui, bien sûr. Oui. Et de l'autre côté, disons des Hegeliens de gauche. Mais ce qui est nouveau maintenant, ce sont des Hegeliens libéraux du centre. Il y a tout un mouvement, par exemple, toute cette école, ce qu'on appelle en anglais Pittsburgh Hegelians, Brandom, John McDowell, et il y a un, pour les identifier, maintenant je parle comme membre de notre police secrète, comment identifier l'ennemi, le signe de reconnaissance c'est précisément reconnaissance, recognition. Il y a deux traits de cette version libérale de Hegel. D'un côté, l'horizon politique ultime de Hegel, c'est celui de la reconnaissance libre. C'est pas enregistré là, ou quoi? C'est pas enregistré. Ça redémarre, c'est parti. Mais si vous êtes un bon KGB, vous avez une autre. Il y a partout. Il y en a non, sérieusement. Donc d'un côté, c'est ce libéralisme politique Hegel, et de l'autre côté, c'est...